Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Content de vous retrouver parce que cette semaine a été un peu catastrophique. Hein. J'étais malade. Là, ça va beaucoup, beaucoup mieux. J'ai juste une petite douleur encore à l'oreille et ça me titille au niveau de mon infection, mais tout va bien. J'ai antibiotiques, j'ai antibiotiques. Ils m'ont mis sous anti-inflammatoire et voilà. Donc, on croise les doigts pour que ça aille au top de ma forme. Donc là, je vous prends sur le vlog tricot. Donc, j'ai avancé quelques rangs cette semaine sur mon châle Wendy. Donc, il me reste plus beaucoup de pelote. De cette couleur là, il me reste dans mon stock, donc il me reste ce petit bout là. Donc je vais essayer de finir. J'espère que je vais arriver à finir le rang parce que là je vais être sur le rang d'augmentation. Donc là, déjà avant d'oublier, je déplace mon progrès skipper, si j'arrive à le mettre. Voilà. Donc comme ça, je sais que c'est mon rang d'augmentation. Et en plus, de ce côté-là, c'est où j'ai rajouté le fil, donc ça se voit. Donc celui-là, ça sera en dessous. Donc j'aimerais bien le mesurer avec vous. Parce qu'en plus, comme c'est du poids de mousse, ça va s'agrandir. Donc, à mettre ruban, il est là. Donc, il me semble que, alors c'est un modèle sur Ravelry. Et j'en suis à 57 cm sans l'agrandir, hein, juste en posant le mètre. Et au niveau de gauche à droite, nous sommes à 106 cm, 108, 109, quasi 109 à peu près. Donc, je pense que, attendez, 109, comme ça. Merde. 109. Ouais, il est à peu près là. Ouais, j'aimerais bien l'agrandir encore un petit peu. Parce que là, du coup, j'ai trois. J'ai que trois pelotes. Et il me semble que sur le modèle de Rêver sa vie en couleur. Donc là, j'ai agrandi. Hein. Le câble, elle en a émis 4 pour 60. Je vous ai dit au niveau largeur, je sais déjà plus 56. Ouais, si j'arrive à augmenter un petit peu, ça sera peut-être un peu plus recouvrant. Alors là, je ne sais pas si je vais faire du gris ou du blanc pour finir la pointe. Parce que mon fils étant, il est tombé malade cette semaine. Il m'a demandé, je vais faire la réflexion qu'il ne s'habillait pas assez chaudement, vu le vent que nous avons en ce moment. Et il m'a dit, oui, mais j'ai pas d'écharpe. Voilà ce qu'il m'a répondu. Tu la t'en veux jamais. Il me fait, ben là, j'en veux une, tu m'en fais une? Ben oui, mon fils. Donc après ça,
Je vais lui faire une écharpe. Ah oui, non, c'est pas une écharpe. Qui veut, je en ai parlé encore hier, il m'a dit je veux un snood. Ok, pas de problème, je te ferai ça. Donc du coup, on reprend sur mon pull 13 KO de longue avec Anna. Donc les manches ont été faites, ça vous l'avez vu. Et puis ben, j'ai attaqué le rose. Il est où mon anneau marqueur? Il est là. Donc j'ai fait quelques centimètres. Donc là, je vais le déplacer pour que je puisse. On va le mettre par ici. Pour que je puisse tout simplement voir ce que je vais faire. Parce que là, je ne sais même plus à combien qu'il est sous les bras. Attendez, parce que là, j'ai. J'arrive pas à prendre la maille. Mais je ne veux pas prendre un bras, je veux prendre les deux bras en même temps. Donc je galère. Ok, voilà. Donc là, on va mesurer à combien nous sommes à peu près. Parce que là, du coup, il n'est pas très droit. En gros, je suis à 20. C'était au niveau du bleu. Ouais, je suis à 21-22 cm, quoi. Allez, peut-être 25. 26. 26 cm à peu près. Donc, il m'en faut encore un petit peu. Parce que 26 cm, ça fait quoi? Ouais, ça fait à peine à 5 cm en dessous du nombril. Ouais. Bon, faudrait que je finisse cette pelote-là. Et puis après, je pense que je fermerai. Ben je 1, 2, 3. J'arrêterai le pull. Je ferai mes. Oh! Je perds la mémoire ce matin. Ou mon cerveau n'est pas réveillé. Mes bandes de mousse pour faire mes côtes comme en haut et comme sur les manches. Je vous mets sur pause, je vous reprends. Bon, je vous reprends. Donc, j'ai profité pour me faire un petit café. Donc, du coup, la semaine dernière, je m'étais arrêtée ici et j'ai fait tout ça. Je ne l'ai pas prise hier, mais je l'ai prise samedi. Donc, je suis assez contente de moi. J'ai fini mon yoke. Là, j'ai fini ma plotte. J'ai fini ma plotte pour de bleu, là, le Milky Way. Ouais, Milky Way. Donc là, je pense que je vais attaquer les manches. Comme ça, je serai tranquille. Parce qu'il y a ça en dessous des manches qui a été fait. Donc là, je vais reprendre les manches. Je pense que je vais la faire comme ça. Et après, je reprendrai pour faire le corps. Donc voilà. Donc j'espère que. Bah, ce pull, il va être magnifique. Hein. Je vous montre de plus près. Voilà ce que ça donne. Très très joli. J'ai adoré faire ce jacquard. Et il me semble qu'en bas il y a un petit jacquard à faire et au bout des manches aussi. Voilà. Donc sur ce, ben moi je vais vous montrer ce que j'ai reçu cette semaine en petit colis. Donc je vous reprends, à tout de suite. Donc je vous reprends, ils étaient préparés hein, déjà. Donc je me suis acheté un ciseau à pointe courbée.
Alors, désolé pour le bruit. Pour ceux qui n'aiment pas, j'essaye de me pousser au maximum. Hop, donc c'est encore dans une autre pochette. Ah, mais c'est passé dans la petite. Donc voilà ce que ça donne. Et je vous montre la pointe, comme ça vous la voyez très très bien. Donc ça sera super pour couper les fils vraiment rares. Il est assez lourd quand même comme ciseau, mais c'est raisonnable. Donc là je vais le remettre parce que non, ça pique pas trop. Ça va, ça pique, mais pas vous faire mal quoi. Donc ce ciseau était au prix de, je vais aller voir sur AliExpress, j'arrive plus à le remettre. Ah bah oui, parce qu'il y a un trou, n'est-ce pas? Donc je vais essayer de, voilà, de passer correctement. Ouais, mais comme il est courbé, ben ça fait un trou obligatoirement. Donc je vais regarder le prix sur Ali, sur Tonton Ali. Donc hop. C'est pas là que je voulais aller. Sur mon compte. Alors, on voit où. Expédié. Alors, tout voir. Donc, le ciseau était. Alors, il fait 12,2 cm. Et il était au prix de 1,74 €. Et je l'ai eu au prix de 1,38 €. Ce qui est avantageux, c'est qu'on n'a pas de frais de port sur Ali. Donc après, nous avons, j'ai pris comment on appelle ça, des épingles en métal pour crocher ou... en forme d'ampoule. Donc forcément je n'ai pas ouvert le sachet. Donc est-ce qu'il y a il n'y a pas de centimètre, mais alors c'est des couleurs aléatoires hein. Donc voilà, je vais vous en ouvrir un. Il y a un petit rose là, il n'y a pas beaucoup de violet dis donc. Et un bout ici, je pense que vous allez voir un bout fuchsia. On n'en a pas pléthore. On les ouvre comment? Ok, je croyais que ça se tirait, mais non, 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 ça se remet comme ça tout bêtement. Si je vous regarde dans le téléphone, j'arriverai pas à la remettre. Voilà. Donc ça, c'est toujours utile en tricot ou en crochet. Hein. Donc j'en ai 100. Je vais les mettre dans ma petite boîte que mon mari m'a fabriquée en forme de cœur. Comme ça, voilà. Quand j'en ai besoin, ben, ils sont à ma disposition. Et donc ceux-là, les 100, ils étaient à 86 centimes. Au début, ils étaient à 1,09 € et je les ai eus à 86 centimes. Après, j'ai acheté des embouts inoxydables de boucles d'oreilles pour faire les anneaux marqueurs. Ça, c'est beaucoup plus pratique.
Donc vous ouvrez ici. Bon, tout le monde connaît. Hein. Et vous avez un petit... Pardon, je viens de vous mettre un petit coup dans le... Un petit rond pour insérer les... Comment on appelle ça? Les petites figurines que j'ai, j'en ai sur un peu tous les cœurs, les nounours, sur Harry Potter. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour mon colis reçu cette semaine. Et ceux-là, ils étaient à 1,38€ et je les ai eu à 1,32€. Les 30 pièces. Donc voilà. Donc bah écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. J'ai pas mal avancé au niveau tricot, surtout sur mon pull blueberry de Sisu Design. Non, c'est comment? C'est Sisu Sweater Design. J'aimerais bien finir cette semaine le châle noir et gris. Et puis on verra dans mon avancée, parce que là je vais reprendre ma broderie. Sur ce, je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée suivant alors que vous avez regardé cette vidéo. Je dois vous faire une autre vidéo sur un nouveau duo que je fais en broderie, donc ça sera fait tout à l'heure. J'attends juste que mon fils y part parce qu'il va bientôt partir au travail. Et puis, je vous mets ça. Je vous filme ça et je vous mettrai ça en route. Le vlog tricot, je pense que vous l'aurez encore ce matin. Mais le duo, ça sera fait cet après-midi. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. N'hésitez pas à me mettre un petit like et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou de la partager. Et moi, je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde.